vous êtes chaud parce que moi je suis chaud. Elle est partie loin de mes pensées, dans un rêve bleu que j'ai dessiné. Dans ma tête j'entends sa voix et ses rires, et sa façon qu'elle avait de me mentir. Mais l'amour et la haine vont si bien ensemble, comme la neige et le feu je cherche à comprendre ce qui se cache derrière les yeux d'une femme. Un univers de tendresse et de drame. Vous rappelle quand elle quitte tous ceux qu'elles ont aimés, leur cœur est-il rempli de vide, de pitié? J'aimerais pouvoir percer l'insensibilité. Homme de cœur ou homme objet, je pourrais passer toute mon existence, mais une vie c'est trop court, c'est perdu d'avance. Alors j'espère un jour deviner leurs rêves, ce qui fait leur passion à ce mystère. Qu'après tant de larmes on les désire encore, que sans elles on se perd et on se dévore. Mais rêver toujours de ces moments magiques, comme un enfant dans un monde fantastique. Vont-elles quand elles quittent tous ceux qu'elles ont aimés, leur cœur est-il rempli de vide, de pitié? J'aimerais pouvoir percer l'insensibilité. Homme de cœur ou homme objet. Et puis à tous ces fous qui ont renoncé à leurs rêves d'enfant, à leur destinée, je me jure à jamais de vivre sans relâche, de trouver celle qui fera vibrer mon âme. Elle est quelque part dans un univers où je n'ai pas accès, je désespère, mais j'ai toujours cru à cette lumière que j'ai cachée dans mon cœur de pierre. Vont-elles quand elles quittent tous ceux qu'elles ont aimés, leur cœur est-il rempli de vide ou de pitié? J'aimerais pouvoir percer leur sensibilité. Homme de cœur ou homme objet, il y a tant de mystères dans le regard d'une femme comme une galerie de miroir. Et leur sensibilité et leur passion nous font perdre la tête et la raison. Tous dans les mains! Où vont-elles quand elles quittent tous ceux qu'elles ont aimés, leur cœur est-il rempli de vide ou de pitié? J'aimerais pouvoir percer leur sensibilité. Homme de cœur ou homme objet, où vont-elles quand elles quittent tous ceux qu'elles ont aimés, leur cœur est-il rempli de vide ou de pitié? J'aimerais pouvoir percer leur sensibilité. Homme de cœur ou homme objet, où vont-elles quand elles quittent tous ceux qu'elles ont aimés, leur cœur est-il rempli de vide ou de pitié? J'aimerais pouvoir percer leur sensibilité. Homme de cœur ou homme objet. Merci.